Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes chers auditeurs, amis dans le Seigneur, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Me voici encore ensemble avec vous pour cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajour Jude. Je suis toujours là pour vous servir chaque sabbat. Notre méditation pour aujourd'hui et pour titre, une guérison parfaite grâce au chiffre 7. Je vous en prie de tout mon cœur de partager cette tranche de vidéo, d'abonner et de me donner un like pour que l'œuvre du Seigneur fasse tache d'huile à travers les réseaux sociaux. Déjà, mille merci, je vous reviens tout de suite. Merci d'avoir participé à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Le sujet n'est autre que une guérison parfaite grâce au chiffre 7. Mes chers amis, dans le Seigneur, comme vous savez bien que moi, vous qui avez l'habitude de lire la Bible, de consulter la Bible en profondeur, vous savez bien que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. C'est un chiffre qui n'est pas comme les autres chiffres que les numérologues connaissent. Il y a aussi le chiffre 3, mais on va parler aujourd'hui du chiffre 7. C'est un chiffre qui marquait, ce chiffre-là marquait ou a marqué, la fin de la création durant une semaine selon Genèse chapitre 2 versets 1 à 3. Mais le chiffre 7 répète plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, le chiffre 7 répète 438 fois dans la Bible. Il y a des mots qu'on a pu concevoir avec le mot 7, S-E-P-T. Par exemple, on a le mot 70, ça répète une fois dans la Bible. On a septentrional, N-A-L, ça répète 15 fois dans la Bible, septentrional avec LE, ça répète 14 fois dans la Bible, septentrion 78 fois dans la Bible, septième 116 fois dans la Bible, septuble, ça répète une seule fois dans la Bible. Seulement dans l'Apocalypse, le chiffre 7 répète 57 fois dans la Bible. Ça nous montre que le chiffre 7, c'est un chiffre qui a une grande valeur. Si on veut sortir ailleurs, c'est-à-dire on veut écarter la Bible, c'est-à-dire on veut entrer dans le monde, c'est-à-dire actuel. Par exemple, dans le monde actuel, on se sert du chiffre 7. Le chiffre 7 occupe une grande place dans beaucoup de choses. On a 7 jours de la semaine. Il parlait de 7 merveilles du monde. Il parlait de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il parlait
par exemple, le tableau de la proportionnalité de kilomètre à millimètre, on a 7 cases. C'est-à-dire, dans le spiritisme même, si on veut entrer là, ça fait la une. Même des divins, c'est-à-dire, ça a eu les divinois, mon cap, faire remède pour le monde, il faut dit, faut prendre ça pendant 7 jours, faut pas baigner pendant 7 jours, faut aller dans 7 carrefours, faut prendre remède là, faut boire, c'est-à-dire, avec une façon, ils ont utilisé juste pour montrer le chiffre 7. C'est un gros bagaille, c'est-à-dire pour porter 7 syncopes, pour porter 7. En fin de compte, ils ont utilisé le chiffre 7 dans plusieurs choses. Par exemple, la statue de la liberté à New York, qui gagne, c'est-à-dire sur la tête de la stature, nous est 7 pointes. On a aussi la tour Eiffel, qui n'a pas gagné le chiffre 7 là-dedans, mais Jean de Bagassa aussi sont des hommes, des francs-maçons qui te fait yo. Donc, assurément, on a vu des symboles là-dedans, yo, qui sont capables de déchiffrer, qui est capable d'embord le chiffre 7. Et la statue de la liberté en une, si vous allez faire une recherche en profondeur sur cette statue là en cliquant sur YouTube, wap ouais, y a palo de statue ça derrière qui ça caché la donne, c'est Satan, c'est-à-dire Satan utilise le chiffre 7, le chiffre de la plénitude des dieux, pour faire son petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire pour faire ce qu'il en veut sur la terre. C'est tout comme le spirituel et le spiritisme. Par exemple, la spiritualité, ça vient de Dieu. Mais Satan utilise un mot à peu près même genre avec la spiritualité qui c'est le spiritisme juste pour confondre. Ce n'est pas pour sans raison que Satan cache derrière le chiffre 7 qui est le chiffre de la plénitude des dieux juste pour faire son travail, son petit bonhomme de chemin. Ça, c'était juste pour vous montrer que l'importance que le chiffre 7 a au sein de la Bible, la parole des dieux et au monde extérieur. Maintenant, revenons dans le sujet. Une guérison parfaite avec le chiffre 7, ou du moins grâce au chiffre 7. Prenez votre Bible ensemble avec moi et nous allons lire dans 2 Rois 5, chapitre. Alors, 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 14. Nous allons voir l'importance du chiffre 7. Lisons ensemble. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière.
Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mille merci pour cette lecture si belle et si fructueuse, surtout pour Naaman. Et voici quelques images qui expliquent tout d'une manière laconique. L'armée syrienne remporte une guerre contre Israël. Naaman, commandant en chef syrien, rentre dans son pays avec de nombreux prisonniers, dont une petite fille qui sera au service de sa femme. Cet homme, fort et vaillant, est lépreux. La femme de Naaman est souvent silencieuse et triste, car elle sait que la lèpre est une terrible maladie contagieuse. La peau se recouvre lentement de taches blanches. Un matin, la petite servante, voyant sa maîtresse si triste, décide de lui parler. « Oh, si seulement mon maître allait vers le prophète de Samarie, il le guérirait de sa lèpre. »« Mon enfant, personne ne peut nous aider. » »« Mais Élisée, le prophète, est un homme de Dieu, et rien n'est impossible à Dieu. » Aussitôt, la petite servante se met à expliquer comment Élisée, au nom de Dieu, guérit les malades. Tout en l'écoutant, la femme de Naaman s'écrie tout à coup. « Nous devons en parler à mon mari. » Quand Naaman rentre, la petite servante explique à nouveau. Pourquoi n'irais-tu pas trouver le roi pour savoir ce qu'il en pense ? Je vais demander l'avis du roi. Un serviteur introduit Naaman auprès du roi de Syrie. Le général Naaman. Après l'avoir écouté, le roi promet à Naaman d'écrire une lettre en sa faveur au roi d'Israël. En portant des présents, Naaman et ses serviteurs se mettent en route pour Israël. Naaman porte la lettre au roi d'Israël. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi d'Israël déchire ses vêtements. Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi,
et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman et ses serviteurs arrivent donc chez Élisée. Le prophète lui fait dire par un messager : Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri. En colère, Naaman s'en va. Naaman fait demi-tour avec fureur pour rentrer en Syrie. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais ses serviteurs s'approchent. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Le général change d'avis et se dirige vers le Jourdain. Arrivé près des berges, sous le regard de ses serviteurs, Naaman enlève son riche manteau et plonge dans le Jourdain 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Dieu a guéri Naaman. Ça, c'était juste pour renforcer la lecture que nous venons de faire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 14. Alors, ce n'était pas vraiment le vrai Naaman. Ce n'était pas le vrai Naaman. Mais ils ont fait ça sous forme film, juste pour retracer l'histoire. Donc, Noé, malgré les allants, les venants, les tolalitos que Naaman a subi, monter, descendre avec le roi d'Israël, que tu voyais l'être Bali, pour prier, pour Naaman. Donc, pour que Naaman soit capable de guérir, je suis déchiré, manteau, il fait colère, il fait toute une série de bagailles. Monsieur fâché. Donc, après avoir, c'est-à-dire rapporté à Élisée ce qui avait passé avec le roi d'Israël, donc il fait Naaman retourner. Et puis, l'Iqual dit la parole ça, à l'en fleuve, en Jourdain, en plongée, 7 fois, et ou après, ou guéri. Donc, malgré les réticences de Naaman, et alors, serviteur-là, t'es fini par convaincre, allez, parce que, prophète la parole, allez, par la foi, Naaman t'a allé. Et puis, il était guéri. Combien de fois il était plongé? 7 fois. Peut-être ou même cap souffri avec un cancer. Ou même cap souffri avec un estomac. Ou même qui gagne un dos qui fait mal. Ou râle. Ou boire médicament. Fait ça ou voulez. Ou fait toute une série de bagages en termes de la médecine, ou pas qu'à joindre aucun résultat, ou même qu'à souffrir avec nos pieds. Je vais vous montrer un fleuve de Jourdain. Ou même qui a un problème, l'école. Par un côté comme l'école là, regarde en haut, regarde en bas, ouais. Ou même qui a un problème, c'est-à-dire économique. C'est-à-dire, et je parle d'économique en termes de loyer. Je paye caille. Ou même qui a un problème familial. Timounio quitte l'église. Timounio a un problème. Marie quitte ou. Madame quitte ou. Ou même qui a même problème spirituel, mais fleuve Jourdain que l'Éternel
quitté pour nous que Jésus de Nazareth te montré nous pour nous faire. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Lisons ensemble. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Peut-être Wap dit que ou pas d'accord avec ça, c'est un fleuve de Jourdain pour t'ajoindre, même j'ai avec Naaman, pour plonger 7 fois pour capable de trouver guérison face à cancer, face à doka formal, face à problèmes économiques, face à toute une série de problèmes dans la vie quotidienne qui a tracassé. Non, pas forcément ça. Ou capable de tenter de faire expérience par la foi, parce que le Dieu qui était là avec le prophète Élisée, ou du moins son bon Dieu qui est passé par le prophète Élisée, qui pouvait parler avec Naaman pour t'al plonger dans le fleuve Jourdain pendant 7 fois. Hein, 7 fois. C'est lui toujours là. Mais pas oublier que petit garçon là qui était ça pour nous tous. Matthieu 6, le verset 6, il dit, quand ou gen problème yo, entrez dans la chambre. Dans la chambre Kaila, si possible, fermez porte là. Le mot fermer ici signifie taquer porte là. Et puis prier le Dieu là-haut qui est dans le lieu secret et lui-même la rendre ou la barre ça ou m'en dire. Donc, puisque yo dou fermer porte là, c'est possible. Donc, ça a démontré que ce n'est pas une prière simple, on peut le faire, c'est pas une simple de prière. Toute prière, c'est prière. Mais, il y a des circonstances où il y a des problèmes chroniques qui ont traversé, même avec une femme pète en 200 pendant 12 ans, c'est pas tu prier hot fait parce que texte a bien dit entrer dans chambre taquer pour ta. Ça veut dire que on va louer, on va chanter pour bon Dieu voyez yon monde surtout même j'ai avec Élisée pour capable résoudre problème yo. Le plus souvent mon Dieu qu'on utilisait ennemi. Donc c'est fait ça, Matthieu chapitre 6, le verset 6, vient de dire. Parce que la raison pour laquelle que je dis ça, il y a 4 façons qu'on peut voir là, la grandeur de Dieu. C'est à travers la nature, à travers les choses que Dieu a créées. C'est à travers la Bible, la parole de Dieu qui est véridique, toute ça dit ou réalisé. La Bible, c'est le livre par excellence. Troisièmement, c'est à travers une expérience vécue. Peut-être au cas par beaucoup une expérience avec mon Dieu. Mais pour faire, c'est à travers Matthieu 6, verset 6. Et en fin de compte, c'est 4e façon capable ouais. Bon Dieu, face à face, c'est à travers la prière. Qui c'est yon antidote pour toutes sortes de maladies. Qui c'est yon trousseau clé qui capable ouvrir. Qui gagne une pile clé qui capable ouvrir, quel que soit porte liée, porte maladie, porte problème économique, hein, quel que soit porte liée, d'ordre social, spirituel, tout ce clé ça qui nous joint. Dans Matthieu 6, verset 6, il est capable de faire ça. Moi-même, ce que j'avais l'habitude de faire, j'avais l'habitude, lorsque
j'ai eu des problèmes auparavant. Donc j'avais l'habitude de faire ce qu'on appelle 21 coups de canot. Ça, c'est moins bail, titre ça comme ça. Tout en utilisant le chiffre 7. 3 fois 7, 21. Donc, 7 chants, 7 psaumes, 7 prières. 7 chants, 7 psaumes, 7 prières. Qui donnent en tout 21, tout en utilisant le chiffre 7 que Naaman a utilisé, qui est le chiffre de la plénitude des dieux. Donc, pourquoi je dis 7 chants? Pour pas chanter avec hardiesse. Faut chanter des chants. C'est pas pareil de chanter des chants pour depuis au fond prier réciter un psaume au fini. Non. Ou chanter 7 psaumes. Psaume là pour encourager nous pour bonne force. Et en fin de compte, 7 prières. Pourquoi je dis 7 prières? Il est vrai qu'on va prier pour un dos, on va prier pour un cancer. Mais, ou même qui a un cancer, ou même qui a un dos, ou même qui a un problème économique, ou l'autre qui a un tout. Il ne faut pas être égoïste. Il faut prier pour lui. C'est ça que fait. On a 7 prières. Chaque prière a un but. Il y a un but bien déterminé. Un but, c'est pour la famille. Un but, c'est pour le problème économique. Là. Gen ou but c'est pour problème guérison ou besoin guéri. Gon but c'est pour pays parce que là dedans à vivre. Faut venir l'hôpital, faut venir tout conseil de bagage, faut prier pour yon tout pour ba yon ka changer. Gen ou but c'est pour spirituel, le problème d'ordre spirituel. Et en fin de compte ou fini par une grande prière qui est capable de durer 10 minutes, 15 minutes. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'avais l'habitude de faire lorsque j'ai eu des problèmes. Et lorsque j'ai des problèmes, c'est ce que je fais. Je prie Dieu. Je chante. Comme il dit chanter, c'est la prière hein, 2 fois. Chanter, chanter à l'Éternel. Donc, là, vous voyez, il y a un monde, surtout, même j'ai avec Élisée, qui était sous Naaman, juste pour le tebal. Et Mododza, allez, dans le fleuve Jourdain, hein, que plonger 7 fois, et puis, wapa. C'est la raison pour laquelle je titre mon message, ma méditation pour aujourd'hui. Une guérison parfaite grâce au chiffre 7. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé, partagé cette tranche de vidéo avec d'autres personnes, si possible, afin qu'elles puissent savoir aussi quelque chose dans je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Ciao.